Tout le monde a sur le visage une espèce d'émotion. Jacques vient de revenir sur scène. Alors, il ne le fait pas exprès. Il a l'air de s'excuser de revenir encore. Il est obligé. Je demanderai de bien vouloir nous excuser si nous faisons un petit peu de mélo au cours de ces dernières minutes. Je pense que nous débordons, mais ici, il se passe des choses extraordinaires et je pense que tout notre mérite sera de vous faire vivre un petit peu les choses extraordinaires qui se passent là. Reverra-t-on Jacques Brel? Eh bien, la question se pose à partir de maintenant. Le re-entendra-t-on? Je pense qu'on ne peut pas faire autrement après avoir entendu ça et après avoir entendu le public qu'on entend toujours. Il va bien falloir s'arrêter d'ailleurs. Et Jacques, que vais-je, crois être obligé de revenir une autre fois. Ça ne s'est jamais vu, je pense. Voilà. Bonsoir, Dalida. Bonsoir. C'est émouvant, ça, quand même, non? Oui, je suis restée sans voix. C'est pas moi qui ai chanté, mais c'est moi qui suis restée sans voix. Ça donne pas envie de dire au revoir au métier, ça, je crois, pour Jacques. Oh non, ça fait beaucoup de peine. Enfin, je sais pas, je suis émue, je peux pas parler. Je crois qu'on est tous un petit peu comme ça sur ce plateau. Puis voir tout un grand orchestre comme ça qui se lève, qui applaudit sa vedette, je trouve ça extraordinaire. Et tout un public qui ne laissera pas partir. J'espère qu'il reviendra sur sa décision. Bref, il faut pas qu'il nous prive de tout ça, quand même. J'espère. Nous y comptons. On l'espère tous, je crois. Tu vois, Jacques Martin, on a essayé pendant trois grandes heures, oui, de ne pas faire de mélo. On est un peu obligé d'en faire. Oui, c'est mieux que du mélo. Je crois que c'est le... J'ai jamais vu ça au musical. De parce même. Qu'on peut quand même avoir la larme à l'œil. On peut l'avoir parce que c'est vraiment le plus grand type qui existe dans ce métier. Il faut lui reconnaître ça, c'est le plus grand. Jacques ne peut plus sortir de scène maintenant. Le rideau est fermé. Et il sortira pas. Parce que le public ne veut pas qu'il parte. Et de toute façon, il n'a aucune raison de partir. Vous voyez, je crois que... Tous ces messages qu'on a entendus, tous ces amis connus qui, dans notre émission, au cours de la soirée, ont demandé à Jacques de bien penser à ce qu'il faisait, ne valent encore peut-être pas. Ce public qui, ce soir, dit simplement une autre. Bêtement, mais ils tapent. Et puis ça n'arrête pas. Et ils ne laisseront pas partir, je te le dis, c'est parti pour une minute. Eh bien, on continue. On va essayer de battre des records. Hugo Frey, prenne-nous maintenant. Hugues,